Et bien, peuple de Dieu, c'est toujours en joie. Nous retournons la Bible, nous, pour Exode, chapitre 20, et verset 12. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Thank you. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour envers ton peuple. Papa, moi béni ou bon matin hein, pour tout ça ou kay fè. Moi béni ou papa pour parole ou qui se on lamp, ils sont en lumière pour pied nous et sentier nous que l'écriture dit. Et parole ou kay éclairer nous bon matin. Seigneur, merci pour chaque moment. Merci Seigneur, il pas ni maman, c'est il pas ni papa. Et nous avons béni non pour chaque maman, chaque papa, yo qui levé il tout seul. Papa, nous avons prié pour les monoparentales. Nous avons prié, Seigneur mon Dieu, pour yo toutes, que yo soit béni. Fortifié, c'est où yon qui connaît ça yo qu'a traversé dans la vie yo, Seigneur mon Dieu, et yo levé timoun. Seigneur, bénis-nous toutes. Qui tes paroles, Seigneur, mène lumière en chez nous. Fortifiez chaque bon matin. Hein? Par puissance sous. Et qui tes Saint-Esprit au ministère. By church, chacun. Papa, pas quitter. C'est moi-même qui parle, mais qui tes puissance Saint-Esprit. Parlez by church nous. Et fortifier, encourager nous chacun bon matin. Côté lorsque nous retournons kainou, nous kay retournons joyeux, nous kay retournons béni, nous kay retournons encourager, nous kay retournons édifier. Papa Walou, Père, nous prier et nous mandons grâce à en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre responsabilité envers nos mères et les bénédictions qui en coulent. Alléluia. Alléluia. Notre responsabilité envers nos mères et les bénédictions qui en découlent. Our responsibility towards our mothers and the blessings that follows. C'est vrai, nous vivons dans un système à laquelle les enfants ne voient pas la nécessité, l'importance d'avoir la bénédiction des parents. En tant qu'un élevé, nous sommes Timoun te ka respecte maman yo et puis papa yo parce que yo te toujours dit la bénédiction parent ka permettre ou hérissi dans la vie. Ou pas j'ai entendu ça? Combien moun ki sa ça? La bénédiction parent ka aide ou réussi dans la vie. Mais jodi a société fait en manière que moun pa ka wè y important encore les bénédictions des parents. Et c'est pas en fait l'homme qui décide comme ça, c'est en promesse de Dieu. Et nous voulons, bon matin, garder responsabilité nous envers parents nous, avec bénédiction qui a suivre, qui a décollé,
Ce n'est pas autant. Tout ce que nous faisons pour nos parents, bien-aimés, c'est nous qui allons bénéficier ça après. Donc, dire tout ça vous fait mal à parents, ou qu'il subit après aussi. C'est vrai, c'est les fêtes des mères. La fête des mères, c'est un bel bagage. Les dimanches qui passaient, ils étaient à Sainte-Lucie. Et les Anglais, et maintenant nous, c'est un pays français. C'est un bon bagage. Il y a un jour monde qui dit, il n'y a pas qu'à fêter fête maman, il n'y a pas qu'à fêter fête papa. Mais si bon Dieu même qu'a dit on est oui maman, moi d'accord c'est plus belle bail que j'ai même été pour honorer les parents, les mamans, parce que un maman qu'a point. Tout le long de la Bible nous voyons il y a beaucoup de mamans, il y a bon maman et il y a mauvais maman. Mais je dis à moi simplement vais plutôt adresser aux enfants. Et faire les mamans changer. Qui ça qui a sorti? Bon Dieu mettait en place. Et sans yo, ich pas à joindre ces bagailles-là. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Premièrement, nous voulons garder our responsibilities, notre responsabilité. Alléluia. Dans ce verset, il dit nous, premier bagaille, honorer là. Honorer yo. Honorer les mamans. Il dit honor her. Mais malheureusement, le système là fait nom toutes les longues de l'année, beaucoup de mamans abandonnées, beaucoup de mamans oubliées, beaucoup de mamans qui ont souffert. Et un jour dans l'année, certaines personnes qui ont changé, mais il y a une maman qui existe. Amen. Wow. Est-ce qu'il y a un seul jour suffit pour honorer maman nous? Et moi, je crois un jour seulement ne suffit pas pour honorer nos mamans. C'est maman nous et yo souffert beaucoup. Lorsque je regarde un maman, moi j'ai en la vie tant maman qui dit ça y a fait pour y te lever un petit monde. Peut-être de là, y a pas tenu rien, y a pas tenu travail, y a pas tenu mari, peut-être mari a bayon ish et mari a lâché yo. Pas faute malheureuse là. Mais il fait tout bagaille puis ouais, il lève et baou ça qu'il faut et pour avancer. Moi changé maman moi laisse que papa moi t'es cabré. Laisse que il baille tout le monde manger. Mais il même pas comment manger. Vrai qui riche li vrai-tu? Li même pas ni. Ou ka gade, après un jour, je regarde moi, après il va tout le monde manger. Si tout le monde est un grand manger en plus, avec 20 mois par jour, et après il va manger, il va tout le monde manger. Avec si on maman qui quitte, il va passer un capri, il va manger encore. Je regarde ma relève là, après, il passe un cassoleil qui prend la main et qui a niché, cassoleil qui a niché de l'autre. Il m'a dit, mais pourquoi on a fait ça?
il dit moi il pas tenu pour moi. C'est là moi prends conscience en maman qu'a autre pays il préfère remiser mais pour soin l'autre là. Pour soin Ishli. Je me souviens que maman m'a dit cette parole. Au café tweet maman ba ish yo ka manger mais au ka tweet ish ba maman yo pa ni courage pour manger parce que c'est ish yo. J'attends ça pas j'entends ça cette laisser ça c'est voilà un petit proverbe. Ça veut dire au maman qu'il fait tout sacrifice qu'il faut by on ish. Mais ish l'a pas en misère à faire autant sacrifice bah maman. Mais est-ce que c'est supporté par la Bible? C'est pourquoi il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Il a souffert de ne pas parce que, en grandissant seulement, Marie a quitté yo. Mais voyons que cet enfant ou prend tout problème, tribulation, fait tout travail sale pour encourager, où est vêtu, où est plus meilleur. Prend toute honte à mépris non mais tout sort calté et quand il maman est là grandi pour garder maman en face et mépriser insulter injurier sali et fait comme si dirait il pas qu'à adresser quoi à un maman mais n'importe qui. Ça laisse derrière cet enfant en vie malheureuse et qui yon qui pa kay aller loin dans les sociétés et yon qui pa kay aller loin dans la vie et risque à perdre la vie avec ni en vie maudit. En maman, c'est yon nous n'y pour beaucoup de respect pour. Il faut avoir le respect pour nos mères. Et oui, nous t'es toujours voulu bénir parce que un homme qui recevait en bénédiction d'une femme qui maman qui en bénédiction pour l'autre femme qui madame lui. Un garçon qui parle souvent en bénédiction de maman et que c'est glosier ou qu'a mette en dedans qui porte même bagaille là par madame li. Sous et c'est pas bon Dieu qui change. Donc prions, c'est celle Dieu fait la différence. Que nous raconter bon Dieu. Il est important, maman nous, et pas prendre à la légère. Petit B, il dit nous, obéissez lui. Obéis, bon Dieu. Obéis, pardon, maman nous. Obéis-le. Il est important pour nous savoir, bon Dieu, qu'a mandé nous. Pour obéir. Premier côté à nous ni en responsabilité. C'est pour honorer. Ben, nous kawe, là, il faut obéir. En Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 1. L'enfant obéissait à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Nous vivons encore. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement avec une promesse. Vous voyez ça bien? Premier commandement. Donc, honorer maman, honorer papa, c'est un commandement de Dieu. Et premier commandement, il dit nous, avec une promesse. Alléluia. Donc, déshonorer maman, c'est violer le commandement de Dieu avec refuser la promesse de Dieu. Allez la vie. Vous ça bien? Et bien, c'est pourquoi la société comme ça. Regardez autour de vous. Tout le monde qui obéit à leurs parents, qui obéissent, c'est ça? Obéissent. Alléluia. À leurs parents, progressent dans la vie. Ou qu'a fait progresser, ou qu'a grandi, ou qu'a évolué, ou qu'a béni. Personne qui, oh Lord Jesus, personne qui pas qu'a obéi à parents yo. Bien souvent, l'on yo konsa, l'on t'en a dit upset, c'est yon qui mort prématuré. Aïe, ou battez-moi. Parce que, bon Dieu, j'ai parlé une condition. Alléluia. Qui s'est dit avec une promesse? Promesse là, c'est quoi? Afin que tu sois erré. Amen. C'est pas ça, il dit nous? Afin que tu sois erré. Et que tu vis. Longtemps, ou abouti mou yoga mou vite comme ça. Parce que son promesse, mon Dieu fait. Ou vient vivre longtemps, obéis maman, obéis papa, honore yo. Ça veut dire que pas honore yo, pas obéi yo, ou qu'a raccourci à sous la vie yo. Ah. Tu détruis ta propre vie en désobéissant à vos parents. Parce que pourquoi tu es plus influencé à des personnes à l'extérieur? Mais qui ça, maman, qui a dit, ça c'est des bagailles qui j'ai passé, ça c'est des vieilles jouées. Oui, parce que nous croyons toujours nous connaître plus que maman nous et puis papa nous. Mais ce n'est pas connaître plus, c'est l'ordre divin de Dieu. C'est le commandement de Dieu en faisant. Alléluia, manifester l'obéissance envers un parent, c'est une promesse qui peut permettre la vie ou allonger sur terre. Dieu pas quitté ben nous d'autres. Et c'est pourquoi nous avons jeune monde qui est mort comme ça, et qui est mort tous les jours. Alléluia. C'est, nous avons dit, fulfill your duty towards them by repaying them back when they are in need. Remplissez votre devoir envers elles en leur payant en retour. Ça veut dire en leur renvoyant la pareille. Quand elles en sont en ont besoin. Ou faut comprendre. Moi, bon Dieu d'accord pour repayer maman, ça a été fait bao les besoins. Donc, vous savez. Jodi a moui marqué, il y a un problème à l'église. Et il y a longtemps, je me suis dit, vous savez, il y a un lot de monde qui a quitté un lot de bagaille. Un lot de bagaille à l'église à faire. Et nous avons vivre dans un système, nous voulons faire un lot de bagaille. Mais le système gouvernement qui permet que tout ça vous voulez faire, il y a une manière de faire, mais ce n'est pas tout ça l'église veut faire. Mais il y a une manière de faire. Et nous avons longtemps, je suis critique,
Moi pas aller à l'église parce que l'église pas occupé moun, l'église pas avec ça, l'église pas avec ça, l'église pas avec ça, l'église pas avec ça. L'église pas occupé du fèf, l'église pas avec ça, l'église pas avec moun, l'église pas avec ça, l'église pas avec ça. Et yo kagade comme si diri nous c'est des sectes parce que c'est pas toutes les ou ka fè et mlè ou mlè ou mette en bay en place moun ba manifester et bon bien placé pour moi ça ça m'a ka di mais gade ki ça l'évangile a dit en 1 Timothée 4 verset 5. 1 Timothée 5 verset 4. 1 Timothée 5 4, le contraire. C'est bien ça, hein? 1 Timothée 5 verset 4. But if a widow has children or grandchildren, they should first learn to fulfill their duty towards their own household and repay their parents what is owed them. For this is what pleases God. Alors, dans la version Crampon, on nous dit que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à agir avec piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Version Louis II nous dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Pourquoi un maman qui a levé yish? Bien sûr, pas qu'a levé yish, bah, qu'a levé pour un dot. Mais on est pour savoir, la Bible qui a supporté on ish doit rendre à maman y sa maman y te ka fè bay la. Ah ouais, la Bible nous dit l'homme qui doit sa mère et sa père, son père, pardon, sa mère et son père, il attache à sa femme, le dé de venir au château, donc ma hakite, ça fait quoi, il kaide bouye pou koi. Et si maman ou te abandonné ou comme ça de pipiti, je dis ou te kay jire, ou te kay di se maman marat, ou te kay kouye tout sot kalte bitin. Tout bagay qui pa ka existe, tout nom qui pa jamais existe, c'est ça ou te kay kouye maman ou. Mais maman ou pas abandonné ou. Même le un homme qui te ou maman, maman ka rattache à Ishla. Même le papa a abandonné, mais maman a tué et il n'a pas lâché. Amen, mais pas amen. Et pourquoi? Nous avons gardé, nous avons vivre dans la société. Moi, toujours dit, papa moi et maman moi si yo te vle reprocher moi ça c'est yo devant bon Dieu mais personne pas ça de moi le contraire les moi quitter l'école moi aller directement en chant avec papa moi moi travaille tout le temps moi avec lui moi tenir chambre aussi moi perdi descend Martinique moi travaille 6 mois les moi vivre. Je vais descendre en champ et pays. Juste à ce que c'est bon Dieu qui tire moi là. L'élève est arrivé, Dieu dit, fais-moi ouais, aller vers yo. Et il dit, je vais commander pour entrer en plein temps. Ou quand il travaille pas moi, ou pas qu'il travaille pas pièce patron, ni ou pas qu'il même travaille pas maman ou et puis papa. Encore. Plusieurs fois, il était red pour faire. Parce que moi t'ai avec Daddy Oboy tout le temps en danger d'un.
ça moi. Ça m'a dit rien. Ça m'a donné un centime. Ça m'a donné l'argent. Parce que moi te comprendre, moi te ca boire et moi te ca manger dans maison. Alléluia. Mais il y a maman qui pas ca même prend conscience. Yo ca manger kay maman yo, yo ca boire côté manger a sorti, côté boire a sorti, comment l'électricité a ca fait payer? Comment glo a ca fait payer? Et même là yo travail en travaillant, la meilleure red cogibis à pompier. C'est comme si nous ni pour casser douet yo, pour yon l'argent, on l'argent ba maman yo. Oh! Premier bagay yo kawe pour faire, acheter des choses superflues qui kaye. Et pas jamais ni rien. Ma kap baye mon maman raison pour yne ishli. Non. Je donne pas la raison. Non, 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 non. Mais mon kak kwe, on maman mérite plus. Parce que on maman ka souffre trop pour un ti moun. Mais est-ce que nous kawe yon important? Maman me touche pot. Premier paye moi. Tiens. Ou fait tellement bagay. Maman m'a touché paye moi. Tiens. Alléluia. Ooh. Hello. Qui dernière fois ou te longi on l'argent ba maman? Elle dit maman, tiens. M'a dit ou ça fait tout le temps. Mais au moins, tiens. L'autre travail, est-ce qu'on peut changer? Papa, ou t'es qu'à mettre un morceau de pantalon piesté? Amen. Est-ce qu'on peut changer? Papa, ou de la supplice piesté? T'es qu'à mettre pièce à la pièce. Et là, il passe à piesté encore. Ou connaît grand nombre à honte. Il peut même faire caca scintiller pièce là, pas un slip en l'œil. Amen. Il tourne en. Est-ce qu'il y a un monde qui nous témoin? C'était pour un soin au team amai. Et là, il y a quoi dit? Il n'y a pas connaît pas. Ça, c'est malheureux, bien aimé. Yon est tout projet, sauf maman et papa. Comment me peux aider? Le papa nous lever, nous connaître. Papa, il te resté en dedans, petite maison comme ça, ancien Jean-Claude connaître. Et vous qui allez c'est ici depuis avant connaître. Après, j'ai grandi ça. Pas que j'ai grand. Ça, c'était chambre là, de là pour là, juste quand on lit et quand petit table. Quoi, c'est ça comme ça? Nous avons accueilli ça en Washington. Tant ça là. Il y a dit là, Francisca, avec ses filles, il y a quatre dans une petite chambre, un petit salon. Nous, trois filles, quatre garçons. Maman et papa, nous neuf. Amen, alléluia. Un petit petit bagaille. Elle est arrivée, bien aimé. Nous commençons à voler, nous grandir. Nous avons misère. Parce que papa était cabré avec tout. Ni force. Ou même avec cigarette, avec ou même avec amis et puis couille bon temps. Mais merci bon Dieu, il n'y t'a sauvé la vie. Mais en grandi, c'est un homme fort. Mais là où est l'argent qui a volé, l'argent qui a volé, mais il n'y a pas ni attirage. L'argent qui a décollé, mais il n'y a pas attiré. Atterri, il va atterri. Voyez même il ça. L'attend facilement à. Ça veut dire qu'il a décollé. Son avion, il va pas. Mais ah ouais, mais pour atterrir, c'est difficile, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou facile pour l'argent atterri vient vers où?
Là où ça qu'a fait couiller moi. Il est important. Zami, dépensez. Mais moi qu'a changé papa moi de cette petite maison, là il décidé pour faire une maison. On nous battre. Parce que tout le monde te voulait sortir en dedans situation. Et oui, c'est ça qui permet tout le monde. Tout le monde mettait tête ensemble. Moi qu'a changé là avec bafé. Fouiller tout fondation ta panibako avec bafé et la même te red gon roche c'est la même nous dit nous voulons papa nous en maison côté lettre blanc dans terre bible a dit il faut fouiller en les cailler nous fouiller descendre et là nous hen cailler red là là nous fait la même fait ce bafé puis nous hen bifé la lever mais tout temps c'est tête pouf wash pouf n'a pété ça pour hen red cailler red. Construit maison. Fait tout bagaille. Aide. Moute tout. Bay si pour. Tout ce que nous paye. Travaille en banane. Pour faire produit. Pour faire l'argent. Pour construire. Parce que monsieur nous a un projet. Quel projet que nous avons par an nous ni. Et qui a intéressé nous. Je dis. Chaque Tibet, clé pour l'amour. Et oui, le projet des parents n'a pas intéressé nous. Même si nous savons, il va quitter nous. Maman, en tête maintenant, aïe, bah, famille, c'est pas un problème. Donc, de toute façon, depuis papa, moi, il n'y a pas de problème. Ou même Jacques a mis malédiction. En dans famille pour pas faire. C'est pas ça bien. Ça c'est société à nous qui vivent en dedans là. Qui fait les hommes moun pas qu'à réfléchir. Nous doit encadrer yo, nous n'yon coup de temps avec yo. Ben yo fait avec yo. Donc et qu'a fait nous savent bien-aimés. Fulfilling your duty towards them by repaying them back when they are in need. Remplissez votre devoir envers elles en les payant en retour ou encore en leur renvoyant la parole quand elles en ont besoin. Là, il a parlé ou ka, fait qui ça? Repayer. Il y en a bibou. Là, il s'est vu en l'autre terme. Ça va faire là? Ou kawani? Pareil, c'est pas ça? Alors il dit et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ou kawani à parents ça ou? Oui, souverain. De qui moun? Dio! Eh bien c'est ça! Ou ka paye à niveau? Mais oui! Ben oui, c'est ça. Alors, au contraire, parents levé, il grandit, il marche, il finit, il prend toute souffrance là, et vous ne pouvez pas faire rien, ben il dit tout. Vous ne pouvez pas payer. Jamais dit avec intérêt. Ben oui. Alors, maman, on prend combien, il prend crédit. Il fait tout bagaille pour voir l'école. Il prend tout temps pour prendre crédit et pour voir l'école. Avec l'eau grandi, ou pas qu'à ouais papa et maman mérite pour un centime gras. Il était tout temps qu'à payer dette l'école. Mais oui, pas moi qui te demande pour me venir sur la terre, non? C'est comme ça, alors. Hello, l'église. Eh bien, ça, c'est société, à nous, on dit dans la bonne fête, maman. Ou pas dit amen, mon matin. Pourquoi on pas dit amen? Ça, m'a dit, pas vrai. Est-ce qu'il pas vrai? Ou quand imagine, ou quand connaître meg ou ni pouvez dire? Nous, quand nous, quand on redit meg, ça veut dire qu'on a fait effort.
pour voir qui moun à l'école, pour faire tout ça qu'il faut, bail manger, bail linge. Les petits moun à petit grandit, c'est là qu'il apprend plus l'argent. Au moment qu'il a arrêté, et là il commence à adolescent. Oh! L'école commence à changer, il a commencé à venir Gomix. Avant acheter les gens, avant acheter souliers, Et chaque là, on est pour changer, chaque là, on est pour vêtir, chaque là, on est. Et tu maman qui a pris l'argent à non? Et tu papa qui a pris l'argent à non? On va réfléchir. Et c'est ça le mérité, maman nous. Maman mérite plus que ça. Petite, alléluia. Amen, alléluia. Ou lâchez-moi. Alléluia. Don't disrespect them. A curse will follow you. Ne leur manquez pas de respect, une malédiction vous suivra. Amen. Qui ça, il dit nous? Ne leur manquez pas de respect, une malédiction vous suivra. C'est pas moi qui a dit hier. Je ne peux pas Bible là-bas. Pas mentir yo respect parce que malédiction qui suivent nous. Moi, ça vient de l'autre pasteur qui n'a pas aimé parler. Mais nous avons oublié Bible ni bénédiction et ni malédiction. Mais vous voulez mettre bénédiction en Bible tout seul. Amen. Yo saint tellement. Vous savez, il y a qui saint parce que bon Dieu. Yo saint passé bon Dieu. Ah non non non, bon Dieu c'est un bon bon Dieu. Bon Dieu c'est rien qui bon. Mais fais attention. Parole là qui j'a là, qui j'a écrit là. Ça pas caille changer. Alléluia. Amen. 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 Sous. Vous voulez suivre moi? À nous aller. Amen. Et nous en Deutéronome chapitre 27 et verset 16. NET Bible. Curse is the one who disrespect his father and mother. Then all the people will say amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira amen. Alors comprendre où ça dérespecte maman. Où ça béni. Tu injures ta maman. Tu injures ta maman. Tu insultes. Ou quoi? Tourner tête. Amen. Peut-être que tu vas comprendre que tu as le moyen. Tu as tourné tête. Allez, tu as tourné tête. Mais yo ka baidoy. Français, yo ka tourne tête. Ah, il lui tourne le dos. Yo pa ka respecter. Il ne la respecte pas. Yo ka injurie. Il l'injurie. Yo ka insulte maman yo. Il insulte. Tourne dos ba maman yo. Il tourne leur dos à leur. Parle mal ba maman yo. Il parle mal à leur. Et quoi yo ka béni. Et il pense pouvoir être béni. Bible a dit son malédiction. Oh maman. Toi, respecté. Maman, pas que ma dou. Je suis là, j'ai moi. Une mère doit être respectée. Ta mère n'est pas ton camarade. Ni ton ami. Alléluia. Mais pourquoi nous pas comme maman nous, pas camarade nous? Papa ou pas camarade nous? Il doit respecter. Mais il faut que tu sais pas qu'il fallait continuer. Alors ton père n'est pas ton camarade, ta mère n'est pas ta camarade, tu dois la respecter. Bah oui. Amen. Et l'autre le monde qui a mal parlé maman il va où? Et quand tu entends quelqu'un qui parle mauvaise parole de tes parents? À l'école. À l'école. Mais non, pas embêter avec femme là. Ne t'embête pas avec cette femme là. Pourquoi commencer vous dire Kayla?
Et tu arrives à la maison. Et tu commences à te gonfler un petit peu. Attention. Fais attention. Si tu me touches, je fais la police t'arrêter. Et bien c'est ça qui a donné nous possibilité d'avoir malédiction dans la vie nous. Et c'est ça qui nous donne la possibilité d'avoir des malédictions sur notre vie. Gouvernement pas ça arrêter. Le gouvernement ne peut pas l'arrêter. Où je vois le gouvernement ça fait un problème en bagaille pour ça. Est-ce que tu as déjà vu le gouvernement? Ou toi assise? Est-ce que je vois le gouvernement faire un bail pour ça? Est-ce que tu as déjà vu le gouvernement intervenir pour cela? Pour ça qu'il y a autant de mamans. Pour ça qu'il, c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants. En la, la oui. Dans la rue. C'est parce qu'il y a pas le droit. C'est parce qu'il leur a donné le droit. En les parents. Sur les parents. Et malédiction qui a suivi. Et les malédictions suivent. Il meurt prématurément. Gouvernement kawaii. Le gouvernement le voit. Mais il y a pas ça faire rien pour lui. Mais ils ne peuvent rien faire pour cela. Pourquoi? Pourquoi? Les enfants qui pas respecté maman yo. Les enfants qui n'ont pas respecté. Société baïti mamaï. La société a donné aux enfants. Un pouvoir. Le pouvoir. À la maman yo. Sur leur maman. Et yo ka vive. Et ils vivent en bas malédiction. Sous la malédiction. Ils pas ça faire rien. Ils ne peuvent rien faire. Dans la société. Dans la société. Gouvernement embarrassé pio. Le gouvernement est embarrassé. L'école avec eux. Embarrassé pio. L'école ne peut rien faire prison avec eux. Embarrassé pio. La prison ne peut rien faire parce pour que eux. La prison pas ça faire rien. Parce que la prison ne peut rien faire. La seule règle pour un petit mamaï. La seule règle pour un enfant. Pour lever bien dans une société. Pour qu'il grandisse bien dans une société. C'est respecter la parole de Dieu. C'est de respecter la parole de Dieu. Honore maman. Honore ta mère. Honore papa. Honore ton père. Respecte-yo. Respecte-les. Et la vie ou qu'elle allongée. Et ta vie sera allongée. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La vie au jeune homme. La vie d'un jeune homme. Qui dépend. Dépend. De comment il va obéir maman. De comment il va obéir à sa mère. Comment il va obéir papa. Comment il va obéir à son père. Sous la terre là. Sur cette terre. C'est un commandement. C'est un commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Alléluia. Alléluia. Tu respectes. Si tu le respectes. Ou qu'il vive longtemps. Tu vas vivre longtemps. Ou qu'il béni. Tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Si la société te quitte, les gens conduit Ishio. Les gens élever leurs enfants. Accordance pour parole bon Dieu. Selon la parole de Dieu. Nous te kaini en meilleure société. Nous aurions une meilleure société. Alléluia. Alléluia. Parce que réponse là. Parce que la réponse. La société pas ni. La société ne l'a pas. L'église l'a ni. L'église seulement l'a. Nous ni. Nous l'avons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de nous Dieu. Nous sommes mon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Avec nous ni réponse là. Et nous avons la réponse. Un petit monde. Un enfant. Qui dérespecte maman. Qui manque de respect à sa mère. Dérespecte papa. Manque de respect à son même père. Même en tchèo. Même dans son cœur. Même où tourne le dos à maman. Même si tu lui tournes le dos à ta mère. Avec où allant chambre là. Et que tu vas dans ta chambre. Et que tu l'as injurié, même n'a pas insulté, vu. Tu l'as insulté, elle n'a pas vu. Ou des chips en tchao, ou pas ouais. Et tu as des chips dans ton cœur, elle ne l'a pas vu. Pour Dieu connaît tout. Dieu te connaît. Ou qu'a maudit quand même. Tu seras maudit quand même. Surtout pas demander bon Dieu pardon. Si tu n'as pas demandé pardon à avec Dieu. Réalisé. Et que tu as réalisé. Ou brisé bénédiction bon Dieu. Que tu as besoin de la bénédiction c'est de Dieu. C'est un commandement qu'on promesse. C'est un commandement avec une promesse. Pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps. Ou pas qu'il fait loin. Tu ne vas pas vivre longtemps. Ou pas qu'il fait loin. Tu ne vas pas le faire pendant longtemps. Dans les sociétés. Dans la société. C'est ça qui a fait moun mort prématurément. Et c'est ça qui fait que beaucoup meurent prématurément. Respecte maman. Respecte ta mère. Respecte papa. Respecte ton père. Avec ou qu'il vive longtemps. Et tu vivras longtemps. Petit E. Don't give up your mother's teaching. N'abandonne pas les enseignements de ta mère. My son. Mon fils. Hallelujah. BBE Bible. Hallelujah. My son, give ear to the training of your father. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. And do not give up the teaching of your mother. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. For there will be a crown of grace.
Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. And chain ornament about your neck. Et une parure pour ton cou. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Où est ça, bon Dieu, qu'a dit nous là? Donc nous voyons ce que Dieu nous dit. Hallelujah. Pas abandonné. N'abandonne pas. Hallelujah. Don't give up. N'abandonne pas. Your mother's teaching. Les enseignements de ta mère. The training of your father. L'instruction de ton père. Pas abandonner ça. N'abandonne pas cela. Oh, un petit monde qui est sage. Un enfant qui est sage. Tout le temps. Tout le temps. Il veut savoir qui sa papa est né pour dire. Il veut savoir ce que son père a dit. Il veut savoir qui sa maman est né pour dire. Il veut savoir ce que sa mère a à lui dire. Un petit monde qui est sage. Un enfant qui est sage. L'étonne au bail à l'école. Quand il entend quelque chose à l'école. Avant de le mettre en pratique. Avant de le mettre en pratique. Il est à l'école. Il va rentrer chez lui. Et dit maman. Il va dire maman. Moi entendre ça. J'ai entendu cela. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Qui monde qui enseigne? Qui t'enseigne? Qui monde qui t'a formé? Qui te forme? Ou qui t'écoute? Qui monde? Qui est-ce que tu écoutes? Hallelujah. Hallelujah. Donc un monde qui enseigne ni pour si long la parole de Dieu. Quelqu'un qui t'enseigne doit t'enseigner selon la parole de Dieu. Il y a des monde qui monoparental. Donc il y a des familles monoparentales. Oui, maman yo avec papa yo, yon chrétien yon pas chrétien. Donc les parents, il y a un chrétien et un qui n'est pas chrétien. Qui est-ce qui parle bas selon la Bible? Lequel te parle selon la Bible? Ah, c'est ça qui est important. C'est ce qui est important. C'est la bénédiction qui a sorti. C'est là, c'est d'où vient la bénédiction. Selon la Bible. C'est selon la Bible. Où voulez bénir? Que tu veux le bénir. Ou pour gabati, on gabati. Il brise chapeau en bas moi. Alléluia, moi tu veux, moi kidnapper. Il est important, amis. C'est important. Pour ça, pour Dieu. De savoir que Dieu. Il veut tout le monde. Il veut tous les enfants. Béni. Soit béni. Mais on est un modèle. Mais tu dois voir. On est un exemple. Tu dois avoir un exemple. Maman, on est pour exemple. Ta mère doit être ton papa, exemple. Papa, on est pour exemple. Ton père doit être ton exemple. C'est eux qui t'enseignent. Ce sont eux qui t'enseignent. Et qui t'ont permis de grandir. Et qui vont te permettre de grandir. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous gardons deuxième. Donc, deuxièmement. Alléluia. Nous t'ai gardé. Premièrement, nous t'ai gardé responsabilité, nous. Mm-hmm. Donc, premièrement, on avait regardé à nos responsabilités. Deuxième. Et deuxièmement. Alléluia. Nous t'ai gardé. Alléluia. The blessing which follows, which will follow. Les bénédictions qui suivront. Nous, hein? Qui ça, bon Dieu dit? Donc, nous avons vu ce que Dieu a dit. Responsabilité, nous, faire par nous. Nos responsabilités envers nos parents. Et il y a une bénédiction qui suit. Et il y a une bénédiction qui suit. Dans chaque verset, dans nous. Chacun des versets. Sauf un. Sauf un. Alléluia. Premièrement, nous gardons. Donc, premièrement, on a vu. En petit A. A. Thy days will prolong upon the earth. Tes jours seront longs sur la terre. Oui, ça bien. Bon Dieu, quand il prolonge jour, il dit. Dieu va prolonger tes jours. À sous la terre. Sur la terre. Là, on est oui, maman et puis papa. Quand tu vas honorer ton père et ta mère. En Exode 20. Verset 12. Dans Exode 20, verset 12. En petit B. En petit B. You are fulfilling God's promises. Vous accomplissez les promesses de Dieu. Toujours en dit de même là. Toujours dans le même passage. Lorsque nous regardons, alléluia, dans Éphésiens 6, verset 1 à 3. Quand on regarde dans Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il t'a fait rappel à même Exode que nous lis. C'était un rappel au même passage d'Exode que nous avons lu. Alléluia. Ça veut dire que on est où papa ou qu'a accompli la
promesse de Dieu. Donc en honorant ton père et ta mère, tu accomplis la promesse de Dieu. Et quand accomplis promesse mon Dieu, et en accomplissant la promesse de Dieu, tout ça qui suit promesse là ou kaini, tout ce qui suit dans la promesse tu l'auras. La vie qui est prolongée, ta vie sera prolongée, bien sous la terre, tu seras bien sur etc. la terre, etc. Mais fais le contraire. Mais fais le contraire. Ça veut dire que ou pas en promesse là encore. Ça veut dire que tu n'es plus sous la promesse. Ou pas en bénédiction encore. Tu n'es plus sous la bénédiction. Et c'est pour ça que maman n'est pas bénie. Et c'est pour ça que des enfants ne sont pas bénis. L'ayant tenu pour bénir. Parce qu'au moment où ils devaient recevoir la bénédiction, c'est malédiction qui a suivi. Ils ont reçu la malédiction. Ils ont pris en tout piège. Ils sont tombés dans tous les pièges. Parce qu'ils ont refusé d'écouter maman. Parce qu'ils ont refusé d'écouter leur mère. Et puis papa. Et leur père. La vie maman et puis papa. La vie de ton père et de ta mère. Ni pour un exemple. Doit être un exemple. Côté Yis à suivre après. Afin que les enfants puissent suivre. C'est pourquoi il est important maman. C'est pour ça qu'il est important maman. Souvlez, suivez-vous. Si tu veux qu'ils te suivent. Pas un bon exemple. Donne-lui un exemple. Pas bye possibilité de dire. Ne lui donne pas la possibilité je de dire. Je ne veux pas comme être ma maman. Je pas ne veux comme pas ma maman. Être comme ma mère. Amen, alléluia. Pas permettre côté issue qu'à honte. Ne permets pas à ton enfant d'avoir honte. Il honte qui mon maman est. Honte de qui sa mère est. Il honte reflète image maman. Il a honte de devoir refléter d'être l'image de sa mère. À cause de comportement. À cause de ton comportement. À cause des vieilles paroles qu'il entend. À cause des vieilles paroles qu'il entend. Parce que tout ça vous fait mal. Parce que tout ce que tu fais de mal. Demain il tombe aux oreilles. Demain il viendra à ses oreilles. Il va l'entendre et il aura honte de toi. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas un bon comportement. C'est pour ça que nous devons avoir un bon comportement. Nous pas honte d'aimer. Afin que nos enfants n'aient pas honte demain. Pour envie être comme maman. Pour qu'il ait envie d'être comme sa mère. Et bien il envie d'être comme papa et un jeune garçon. Ou d'être comme son père en tant que jeune garçon. Alléluia. Alléluia. Oui. Nous gardons. Alléluia. Ah, ben. En autre, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ben, dit, you will find well-being on earth. Vous trouverez le bien-être sur terre. Eh bien oui. Petit Dieu. Amen. Ou qu'il trouve bien-être sur la terre. Tu trouveras le bien-être sur la terre. That it may be well with thee. And thou mayest live long upon earth. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pas ça que la Bible a dit? C'est est-ce ça. Que vous voulez le bien-être? N'est-ce pas ce que dit la Bible? Est-ce que vous voulez bien-être? Est-ce que tu veux le bien-être? Est-ce que vous voulez vivre longtemps là? Est-ce que tu veux vivre longtemps? Comment qui veut vivre longtemps? Qui veut vivre longtemps? Dis-moi qui est jeune, est-ce qu'il veut vivre 100 ans? Qui veut vivre jusqu'à 100 ans? Vous voulez dépasser 100 ans? Tu veux dépasser 100 ans? Alléluia. Aussi longtemps qu'à aller. Aussi longtemps que tu voudras. Obéis et honore à maman. Obéis et honore ta mère. Honore papa. Honore ton père. Respecte yo. Respecte-les. Et même là, ils ont une faiblesse. Et même lorsqu'ils ont une faiblesse. Ou toi, yo, ou toi, yo, respect. Tu leur dois quand même ton respect. Parce que c'est maman ou yo, yo. Parce que c'est ta mère. Ça pas qu'à bas pièce possibilité. Cela ne te donne aucune possibilité. Pour insulter maman. De t'insulter ta mère. Comme les autres qu'à faire. Comme les autres font. Parce que c'est maman. Parce que c'est ta mère. Alléluia. See, you are fulfilling a duty that pleases God. Vous remplissez un devoir qui plaît à Dieu. 1 Timothée 5, verset 4. Dans 1 Timothée 5, 4. Vous pouvez imaginer une bénédiction. Vous imaginez une bénédiction. Alléluia. Vous pouvez remplir un devoir. Vous remplissez un devoir. Demandez-vous, chaque lait. Ou fait un devoir. Donc chaque fois que vous avez fait un devoir, il y a une récompense. Il y a une récompense. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui ou non? Amen. David dit que tout ça ou fait par maman. Ça
ça veut dire que tout ce que vous faites pour votre mère et papa ou pour votre père, bon Dieu a dit aïe, il méritait ça. Et Dieu va dire il mérite cela. Je vais lui donner après. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour ça que nous avons une certaine maman, cette maman qui bénit. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a certains enfants qui sont bénis. Pardon les restes. Pendant que les autres pas qu'à chercher pièce bénédiction. Ne cherchent aucune bénédiction. Ils sont obligés de voler by moon. Ils sont obligés de voler les choses des autres. Ils sont obligés de voler by moon. Ils sont obligés de voler les ils autres. Ils sont obligés de tuer prionnier. Ils sont obligés de tuer pour l'avoir. Parce qu'ils ont qu'à suivre mauvais compagnie. Parce qu'ils suivent les mauvaises personnes. Pas quitter corps influencé par ces monde là. Ne te laisse pas influencer par ces gens-là. Mais aujourd'hui c'est un bel jour. Mais aujourd'hui c'est un bon jour. Pour demander maman pardon. Pour demander pardon à plus belle bagaille nous te caille faire. La plus belle chose que tu pourrais faire. Avant de dire bonne fête maman. Avant de dire bonne fête maman. Agenou à pied et demande pardon pour toute méchanceté ou affaire. Agenou-toi à ses pieds et demande-lui pardon pour toutes les méchancetés que tu lui as faites. Demande ou pour accorder ou bénédiction. Et demande-lui qu'elle t'accorde sa bénédiction. Pour vivre longtemps. Afin que tu vives longtemps. Dieu Koroma Santa. Petit D. Alléluia. Your mother's teaching will be a crown of grace for your head and a chain ornament about your neck. Les enseignements de votre mère seront une couronne de grâce pour votre tête et des ornements en chaîne ou encore une parure autour de votre cou. Vous pouvez imaginer ça? Bénédiction maman. Vous imaginez que la bénédiction de votre mère? Oh, l'instruction papa. L'enseignement de votre père. Il dit nous qu'on ne s'est pas rejeté. L'instruction de votre père, il nous dit de ne pas c'est le rejeter. C'est une couronne de grâce. Car c'est une couronne de grâce. Ça veut dire que l'on respecte maman, on y croit en l'air à vous. Donc lorsque vous respectez partout votre mère, partout parce qu'on y croit en l'air à vous. Vous avez la grâce sur votre vie. Et partout où vous irez, vous aurez de la grâce la sur grâce votre vie. La grâce de Dieu qui suit vous. La grâce de Dieu vous suivra. Alléluia. Alléluia. Donc amis. Donc mes amis, aujourd'hui, je vous encourage, toutes amies, tous mes amis, toutes frères, tous les frères, les sœurs, les sœurs, les enfants, cherchez grâce, bon Dieu, cherchez la grâce de Dieu, cherchez grâce, bon Dieu, cherchez la grâce de Dieu, cherchez grâce, bon Dieu, cherchez la grâce, cherchez de Dieu. Une couronne à la tête, où. C'est une couronne pour votre tête, alléluia, alléluia, et une parure à cou, et une parure à votre cou, c'est une belle bagaille, c'est une belle chose, nous qu'a béni bon Dieu pour ça. Nous bénissons Dieu pour à cela. Partir de Jodia, à partir d'aujourd'hui. Bon Dieu béni ou, que Dieu vous bénisse. Parce que un maman pas n'importe qui. Car une mère n'est pas n'importe qui. Même si vous pas fait. Même si tu n'as pas et fait. Ou levé ish. Tu n'as pas eu d'enfant mais tu as élevé des enfants. Même si c'est un monde qui levé ou. Même si c'est quelqu'un qui t'a peut-être élevé. Peut-être maman ou pas là. Peut-être que ta mère n'est mais pas là. Mais belle-mère ou là. Mais ta belle-mère est là. Et élevé ou. Et elle t'a élevé. Et il prend souffrance avec ou. Et elle a souffert respect. Avec toi. Même manière. Respecte-la de la parce même manière. Parce que devant Dieu, elle représente maman. Parce que devant Dieu, elle représente ta mère. En fait, souffrir. En la faisant souffrir. Ou qu'elle mette une malédiction en le corps. Tu mets une malédiction sur et ta vie. Et tu n'iras pas aller loin. Et tu n'iras pas loin. Que bon Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Zé. Nous voulons prier. Sur la journée. Et vous sentez, ouvrez la prière. Parole à toucher la vie. Ou puis approcher, nous allons prier avec vous.